Journée nationale de commémoration de la victoire de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pas et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont... Thank you.
hop là. Bah non, il bouge pas, il aime bien.